Qu'est-ce qui se passe? Regarde! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais regarde, Valentin, il y a un problème là! Valentin? Valentin! Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, mais depuis tout à l'heure, il est comme ça. Enfin, depuis 2 minutes, il est resté bloqué comme ça. Il est rentré dans ma chambre avec le cadre. Il a regardé, j'étais dans mon lit, et là, d'un coup, il s'est figé. Attends, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là, il est rentré dans ta chambre avec le tableau. Oui. Et ensuite, il a regardé comme ça. Oui. Et il est resté bloqué. Voilà, c'est ça. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, bah, ça allait bien. Voilà, on passe une soirée tranquille. Sauf que à chaque fois chez nous, il se passe des trucs. Bon, écoute, je vais essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Valentin, si c'est un prank, arrête ça tout de suite. Ouais, parce que c'est vraiment pas drôle. J'ai pas envie de rigoler. Valentin! Mais il a quoi sur le visage? Je sais pas. C'est toi qui lui as fait ça? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est vraiment figé là, il bouge plus. Attends, mais... Valentin! Ce tableau, je le reconnais, c'est la Joconde. Bah oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon les amis, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est la Joconde, c'est un tableau qui est très connu. Mais bon là, évidemment, c'est un faux, c'est pas le vrai. Ouais. Attends, il y a un truc écrit derrière. Ouais. C'est quoi ça? Joconde maudite. Maudite? Comment ça maudite? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Valentin, qu'est-ce que tu nous as ramené encore à la maison? Non mais c'est pas possible. Bon écoute, je vais chercher sur internet. S'il y a des résultats par rapport à ça, s'il y a des gens qui ont déjà fait des vidéos en rapport avec une Joconde maudite. Attends, hop. Oh non, Lily Rose. Regarde. Regarde ça. La légende de la Joconde maudite. Bonjour. Je témoigne d'une histoire ici. Mon fils a acheté un faux tableau de la Joconde dans une braderie. Derrière le cadre, il était écrit Joconde maudite en rouge. Tout se passait bien. Un jour, mon fils a regardé le tableau dans les yeux, a regardé la Joconde dans les yeux. Depuis, il est figé. Il ne bouge plus. Les médecins ne savent plus quoi faire. Oh, les médecins ne savent plus quoi faire. Ça veut dire qu'il va rester comme ça. Non, c'est possible. Ça fait maintenant 3 semaines qu'il ne bouge plus. Même l'hôpital m'a dit qu'ils ne peuvent rien faire. Il est probablement trop tard. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment on va faire là? Mais je sais pas. Attends, mais là, il est bloqué pour toujours, ça veut dire? Bah oui, regarde, en plus il est bloqué comme ça avec le cadre dans les mains. Oh, attends, on va. Oula, il veut pas le lâcher. Hein. Eh oh, Valentin, lâche ça. Essaie de lui prendre le tableau là. Faut qu'il arrête de le regarder. Oh, c'est pas possible. Bon, attends, je vais appeler Peppa Pink. Je vais appeler Peppa Pink. Reste avec lui, essaie de lui prendre le cadre. Peppa Pink, qu'est-ce que tu fais? Bah, je rentre ma chambre, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, dépêche-toi. Il y a encore une histoire de fou là qui est en train de se passer. Encore en train de me raconter avec Valentin. Viens ici. Ah non, tu vas voir, c'est un truc de fou, regarde. Ouais. Il regarde le tableau de la... Qu'est-ce qui se passe en... Regarde, il a le tableau de la Joconde dans les mains. T'as vu? Regarde, même sur son visage, il a des traces rouges comme ça. Mais ouais, je sais pas ce que c'est du tout, c'est trop bizarre. Non, c'est pas un prank. Non, et j'ai vu sur internet, c'est une vraie histoire. C'est vraiment pas un prank, comme d'habitude, à chaque fois tu nous crois pas. Oui, bon, essayez de... Prenez le tableau avec Peppa Pink, tirez le plus fort possible dessus. Allez, aide-la. On va lui enlever ça. Oh les amis, je vais essayer de regarder autre chose sur internet. Je vais regarder autre chose sur internet pour voir s'il y a d'autres solutions. Parce que je vois qu'il y a plein de gens qui en ont parlé. Problème de la Joconde maudite. Trouvée dans un vide-grenier. Trouvée dans une braderie. Un vieil homme m'a vendu un faux tableau de la Joconde. Depuis, ma fille ne bouge plus. Oh, mais c'est arrivé à plein de gens. Attends. Il y a peut-être une solution. Lily Rose. Regarde, attends, je vais te lire le site. Ok. Si quelqu'un de votre famille ou un ami regarde la Joconde maudite, ouais, il faut à tout prix lui enlever le tableau des mains, et ça avant le coucher du soleil. Si vous lui enlevez le tableau des mains avant le coucher du soleil, il devrait pouvoir rapidement se remettre. Mais avant le coucher du soleil, et apparemment il faut lui enlever le tableau des mains avant le coucher du soleil. Attends, je suis en train de lire. Avant le coucher du soleil, et puis il faut préparer une potion. Il y a une liste d'ingrédients. Mais non, là il fait presque nuit. Mais ça, la nuit elle vient de tomber. Les ingrédients, c'est quoi? Non mais d'abord il faut lui enlever des mains avant la... Non mais oui, bah... Allez, enlevez-lui. Ah, rendez-moi le tableau. Oula. Rendez-le moi. Non, vite, va jeter le tableau à la poubelle. Lyros, reste avec moi. Le tableau. Les amis, là il a l'air de faire noir. Mais le soleil vient de se coucher là. La nuit complète n'est pas encore tombée. Donc là il nous reste quelques minutes pour encore faire la potion. Parce que là, attends, je vais regarder le coucher de soleil.
Le coucher de soleil se termine dans 4 minutes et 30 secondes. Quoi? Ça veut dire que la nuit est tombée dans 4 minutes et 30 secondes. Donc on a 4 minutes pour faire la potion. Ok, vite. Il faut pas d'ici là, il faut pas qu'il retouche au tableau. Regardez ça. Il tombe. Ils sont devenus immobiles. Tableau. Ouais, ça fait peur, vite. Le tableau. Prends ça. Donne ça. On va mettre la potion dans ce truc là et ensuite on va lui pulvériser dessus. Comme ça, il y aura pas de problème. Bon allez, on se dépêche. Il sera libéré de cette malédiction horrible. Bon, tiens ça, c'est toi qui vas mettre les ingrédients dedans. Okay. Bon, Lily Rose, il nous faut un crapaud. Un crapaud. Oui, bah il faut un crapaud. Hein. Je sais pas où est-ce qu'on va trouver ça. Là-bas. Oui. Je crois qu'il y en a. Okay. C'est la sorcière quand elle vient chez nous, elle fait plein de potions. Il faut deux yeux. Oui, on a des yeux. Allez, un crapaud, vite, un crapaud. Mais oui, c'est bon. Deux yeux, allez, mais dépêchez-vous. Deux yeux. Okay, deux yeux. Mais il y en a là. C'est bon, j'ai trouvé. Il y en a, tiens, mets ça dedans. Il y en a deux, c'est bon. Tiens, mais aide-la. Oh là là, c'est pas possible. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Bon. Il faut une chauve-souris, ça tombe bien, on en a une. Et un cloporte. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, vas-y, attends. Le crapaud, il rentre pas. Attends, je vais t'aider, Bon, normalement, il faut faire ça. Et apparemment, il faut mélanger le plus fort possible pendant, attends, 15, pendant 15 secondes. Il faut mélanger le plus fort possible. Et ensuite, il faut mettre ça sur la personne. Allez, vite. C'est le dernier. On met tout, deux. Allez. C'est bon, on a tout mis. Bah oui, on en a mis deux. Allez, maintenant, on secoue. Attends, on se dépêche là. Regardez, il est en train de devenir fou. Le tableau. Reste là. Il est où le tableau? Non, tu le veux pas vraiment. Le tableau. Tu le veux pas vraiment. Le tableau. Allez, vas-y. Attends, tu le dérives un peu. Voilà. J'en ai reçu aussi. Pas trop. Ok. J'en ai reçu. J'espère que c'est assez. J'espère que ça va me rien. Viens me faire, Esteban. Là, à mon avis, il va commencer à réaliser. Non, arrête, hein. Non, remets pas. Ah non, Lily, pourquoi tu m'en as mis aussi? Mais c'est pas grave, ça va. Ça va, Valentin? Tu te sens pas bien? Ça me gratte au visage, j'ai quelque chose. Ah oui, t'as des marques. Bah oui, t'as des marques. Les marques de la Joconde. Bon, ça va mieux? Je vais dormir. Ouais, va dormir, on t'expliquera. On t'expliquera ce qui s'est passé demain, d'accord? Ouais, d'accord. Allez, va dormir dans le trampoline parce que c'est vrai qu'il a toujours pas de chambre ici. Ouais. À chaque fois, on essaie de le virer, mais il revient sans arrêt. Et surtout, s'il nous fait des histoires comme ça, Lily Rose, elle était en train de finir ses devoirs. T'as terminé tes devoirs ou pas d'ailleurs? L'année scolaire vient de recommencer. T'aurais pas dû mettre de la potion sur moi, ça me gratte. Tes yeux, ils sont. Les amis. Moi, je vais continuer à faire ce que j'étais en train de faire. Lily Rose, tu as terminé tes devoirs. Et Peppa Pig, bah débrouille-toi. Continue à ranger ta chambre. En attendant, les amis, on espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait rire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et surtout, allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. C'est ce qui nous fait le plus plaisir. Cliquez sur notre chaîne, allez voir une vidéo qui vous plaît. Ou cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. À la prochaine. Ciao. Oh non, le tableau. Qu'est-ce qu'il fait là-bas?